Jean Vangou, Yvon Kombo, Raymond Dozy, André Makiese, Guy Kiese, Claude Bingilai, Jean Kapuga Kabamba Agajama, Sheriff Tijani, Vembora Mambou, Maître Kelly Brown, Réveillons-nous, le team a fait une position propre, Angèle Abakaji, femme d'affaires, maman Alaba Yvonne, maman Gislain Choa, maman Yvonne Moufouta, maman Inège de la Fondation Matos de Jorine, maman Gertrude Ntumba, sœur Victorine Bouyamba, maman Marie-Jeanne Kalongi, Cathy Kalongi à Londres, Didiane Tamba à Birmingham, Joséphine Colomoni en Belgique. C'est un combat. La victoire est sûre et certaine pour notre révolution. Évidemment, on doit maintenant se battre, se liguer ensemble pour bien mener le changement de la Constitution. Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue l'ancien Jésus-Christ de toute puissance. C'est encore moi, votre frère, Kenzo Mukendi, le membre CM de l'UDPS, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité de notre pays. Évidemment, l'actualité de notre pays, on aura notre rubrique au sommaire, on aura notre rubrique Parlons vrai, parlons bien. Et puis, on parlera des activités du président Félix Tshisekedi à Kisangani. Et puis, on fera notre travail de sensibilisation autour du changement de la Constitution. On va relever certains éléments, certains points très importants, évidemment, qui militent en faveur du changement de la Constitution, qui rejettent la Constitution des belligérants, la Constitution des étrangers. Puis évidemment, quand si on aura le temps, on va aussi parler d'autres éléments. Alors, vous êtes très nombreux. Aussi, M. Kenjo Mukendi, au Tchinaba Group, au Tchinaba Facebook, au sein de l'Okola, mon frère Big Masso Valarien, tout maman Nabiso Inège, maman Nabiso Inège, il y a Fondation Matos de Jorine, ou bien maman Nabiso Joséphine Colomoni, au Tchinaba Group, au Panzi, pour message et Kende Moussika, Mandukonamai, s'il vous plaît. Alors, la semaine qui, la fois passée, j'aime, s'il vous plaît. Bochaba, j'aime les abouis. Au côté de l'émission, Oche, j'aime. Voilà pour l'émission et Zoa, moi, force na niveau ya YouTube. Alors, mon frère Ngoïngongo, qu'est-ce que Ngoïngongo nous dit? Je un message moko à l'obi nangai na bimisango message ngo ngongo bon ngo ngongo l'obi d'où tant et koki ya kotia moyen pour la communication na union sacrée na UDPS ainsi à la présidence tout mon abattu loko la bafumu toto ba maître Pinda ba Thierry Mosenepo ba Alain Tundu, ba Lambert Mende, ba Mbenza, ba Joseph Mbenza, ba Joël Kitenge, ba cadre non sa UDPS, y a union sacrée, y a présidence, ba milité pour le changement de la Constitution. Voilà. Alors, dossier y a Henri Magie, Torlo Berango, un rêveur, ba on rêvait. Azana, ba peine de mort, et donc là, t'es déjà la Kingo, azon rêvé. Voilà. C'est un peu ça. Merci beaucoup, Ngoïngongo. Je te salue. Alors, Didier Tamboué, qu'est-ce que Didier Tamboué nous dit? Alors, Didier Tamboué, que je salue, il dit ceci. Pour empêcher Joseph Kabila de se recouvrir du ridicule, vu ses insuffisances, à ce moment-là, ses prérogatives constitutionnelles lui ont été proprement retirées par le rédacteur de l'actuelle Constitution. Donc, il nous explique que parce que la constitution au dessus de la Rwanda a été taillée en mesure pour le Rwandais Kabila. Alors, comme il avait des insuffisances intellectuelles, il avait des limites scientifiques, c'est la raison pour laquelle on avait retiré les prérogatives constitutionnelles. Alors, on lui a retiré les prérogatives constitutionnelles. Ils ont intelligemment prôné le régime parlementaire semi-présidentiel où les prérogatives du président de la République sont attribuées à d'autres institutions. Cela a été imperceptible par les Congolais jusqu'à ce que le régime changeât. C'est la raison
C'est la raison du discours de Kisangani où le chef de l'État a proposé une nouvelle république pour revenir à un régime responsable devant les attentes des Congolaises et Congolais. Voilà, c'est un peu ça. Réveillons-nous, peuple congolais. Merci beaucoup, Didier Tamboué, de votre commentaire. Natangi Koma Moutou, Natier commentaire naïe, voilà. Je salue mon frère Gilbert Mputu. Maman Patricia Luamba, Maman Patricia Luamba, vous avez raison. La moni, il est monté Neringa sur ce délinquant d'Israël Mutombo. A qui qu'on invite un monsieur là qui fait des exercices sur YouTube en Afrique du Sud. A mi se gara mbongo pour inviter Moutaro à la Kinshasa. Alors que Yemoura Zoliba la Congo, toi, il y a un problème très sérieux. Donc, mbongo wana pe, on a invité Moutaro à renoncer à l'Europe pour chérie. Mon on n'a pas commencé à l'Europe, moi bilang, à tout porcherie pé. Voilà. Donc, c'est un délinquant, un voyou. Je suis de 2000 une fois, tout et tout là. Je salue grand maître Beba, maître Kelly Brown, homme d'affaires en Angleterre, Nicole Lukadi. Lukadi, je salue. De gros bisous à toi. J'ai aimé les commentaires, on s'est dit pour Ngaï, en tout cas, j'ai aimé. Merci beaucoup. Alors, notre sœur nous dit ceci. Joël Kitenge a sengi pardon. Albi a l'année que Joël Kitenge a sengi pardon à la Sécurité Générale au Augustin Kabouya. Et puis a fustigé de Obizim. Alors, Noël Lukadiazo réfléchir à l'Obiboy. Mais bah, le roi n'est pas chaud, les kabis et les katoumistes. Oyo, qui nous fatigue avec, oh voilà, vous avez, les gens de l'UDPS, Félix Tshisekedi a oublié le testament de Tien Tshisekedi, le peuple d'abord. Mais eux ne parlent que d'un seul testament. Etienne Tshisekedi a laissé plusieurs testaments, notamment le peuple d'abord, et aussi le changement de la constitution. Si on va entendre le peuple d'abord, et bon, changement de constitution, testament, là, va autant raconter. Pourquoi? Alors, elle m'a donné raison. Ma sœur Nicole Lukadi m'a donné raison pour le problème de la Russie. Avec Kedjou Moukili, tu avais raison. Donc, on ne pouvait pas aller intégrer ou bien faire des alliances, ce qui a nengenini. Voilà. Tout chosifier RDC chez Poutine. Comme je le disais, elle a réfléchi mûrement et elle vient de me donner raison. En tout cas, merci beaucoup, ma soeur. Aux intellectuels, c'est ça, un intellectuel. Un intellectuel, lorsque a trouvé que Azaki n'a erreur, a reconnu ça, qu'a erreur naïe. C'est très bien, je te salue, je te remercie. Patti Tindel et artiste Patti, je te salue. Babindobe, le grand artiste musicien Abisso. Voilà, merci beaucoup mon frère. Gaston Fouanja, Jean-Pierre Lufouloabo, Octave Konzo, Jean-Louis Sangula, David Moulenga, mon frère, je te salue. Finon Diaba, je te salue. Révérend Tim à Birmingham, en Angleterre, je te salue. Azo Betarara Sete. A dit, bokeh, bah, la Vital Kamere. Vital Kamere est très dangereux. Et puis, constitution, on va tout changer. On les rara à l'Assemblée nationale. Et Vital Kamere est en liaison avec Naba Nanga, Naba Kagame, on a nions tout. Tout ça, l'attention, dans Vital Kamere, Nenga Lobby. Bala Congo, je salue. Président des Sayons, Napé Simbote. Moïse Kabonga Djoubek, je salue. Revolutionnaire Kolé Mouanza, Napé Simbote. Luis Mwembo. Gabi Mwembo, je salue. Nancy Z, je salue. Jérémy, la petite beauté. Fiston Lendo, tu as raison. C'est le moment maintenant que le secrétaire général Augustin Kabouya a rassemblé pour tout ça la communication. Il y a ma casse. Bachaba moyen. Françoise Odia, je salue. Annie Moutamba, je salue. Joseph Kissabo, je salue. Annie Moutamba, j'ai lu tes beaux commentaires. En tout cas, merci beaucoup. Mon commentaire, Mogoya Kitoko et Vandi. Stéphanie Ngombe. Roger Kalenga, Guillaume Tamba, Jean-Ciel Kadima, Mike Baudouin Kalonji, je salue Honorable Jean Moutala à Londres, je salue Honorable Jean Moutala, la petite beauté, Véro Moutombo, je salue, mon pipi Roger Zoloba, Kenjo Moukendi, Panthère, dont je fais allusion, Panthère Noir, je fais allusion, Azalaki Pire, Yafou Moussabata, ça c'est vrai, je me rappelle. Azaki très attaché à Fumu Sabata. Colette Ngalula, je salue. Katinda, je salue. Oma Gracia, na Pesimbote. Alors, Ndebola Biso, Léon Kahenga,
Léon Karenga m'a laissé un commentaire, là, il y a un commentaire, c'est très important. Alobi Boy, les gouverneurs doivent être des fonctionnaires de carrière issus de la territoriale avec rang de secrétaire généraux. Ils doivent être apolitiques et nommés par le chef de l'État. Ils doivent suivre le même cheminement professionnel que les secrétaires généraux avec des matricules de la fonction publique. Il ne faut surtout pas politiser la territoriale. Les gouverneurs doivent être permutés souvent selon leur rendement. Le chef de division feront partie de l'exécutif provincial comme à l'époque de Mobutu. Ce sont aussi des fonctionnaires territoriaux de carrière apolitique. Voilà. Après ces suggestions, alors, gouverneur est apolitique. Donc, il faut pas l'anda cursus, pas la carrière, la katia, administration du territoire. Voilà. J'ai aimé votre réflexion. Et puis, nommé Baron parce que ça a été généraux. Le chef de l'État nous m'a rappelé Baron. Voilà. Et puis, c'est qu'à la apolitique. Voilà. C'est de cette manière qu'on aura un développement. Voilà. C'est notre manière de faire l'émission. Voilà, c'est un peu ça. Fais ça, commentaire. Fais ça, une suggestion. Alors, le grand philosophe Douedou a tenu une vidéo. Maman a mis Pascaline Kasongo. Maman Soukoy. Boyoka. A Pesikien Zombote. Boyoka. Salutations à lui depuis UK à Londres et ainsi que toute sa famille. Salutations à Baenio. Voilà. Merci beaucoup, Maman Soukoy. Maman Pascaline Kasongo. Je t'admire beaucoup. Tu es une très bonne combattante. N'a pas la personne sous son beauté. N'a pas si beauté dans Mitterrandaya. N'a pas si beauté dans Pasteur Gulli. Vous avez ça, qui toco. Tu as dit que ma bungez à la qui. Je n'ai jamais insulté ma sœur. Je n'ai jamais insulté. J'ai juste critiqué. Évidemment, j'ai fait des critiques sévères. Sévères. Et heureusement pour nous, Bazongi Nanzela. Et nous sommes en train de militer. Pour vous, afin que le secrétaire général Augustin Kabuya, le président Haï, prenne en compte le travail combien patriotique que vous abattez. Et dans la Mitterrand Naya, j'admire sa façon de parler, il parle très bien français, Mitterrand Naya, c'est un garçon très instruit, dans l'Ingara Paye. Pasteur Gili, bravo, félicitations, à Essé Gonsongi Tchik, au côté université, très bon, c'est ça en politique, faut qu'on t'enlève la licolo. Voilà, merci beaucoup. Voilà, donc c'est un peu bien. Je suis fier de vous, Maman Pascaline Kasongo. J'aime bien suivre tes émissions, surtout les débats. Il y a un débat contradictoire. Tant que bête à rabattre, il y a un peu de wapi. J'aime ça. En tout cas, merci. Alors, je suis tombé sur un élément. Alors, je me pose la question pour savoir est-ce que c'est une stratégie de communication. Il y a Bisso, Tobeti Kagame, ou bien c'est une vérité. Voilà. Mais il faut appeler ça une information. Alors, la peur a changé le camp. La ville de Gisenyi, au Rwanda, est tombée entre les mains d'un groupe de rebelles dénommé Bora. Des affrontements ont eu lieu ce matin, donc c'était hier, entre l'armée rwandaise et les rebelles. Selon les porte-parole, l'objectif est de libérer le Rwanda contre Kagame. En tout cas, sur les Alkamba solo, en tout cas, Kinjumu Kenjaro CPL en gros danger. Donc, solo, on va rebelle en gros, bah, tout là. Est-ce que, c'est à solo? Ils ont assoloté, mais le col les a dit qu'à poto frapper Kagame, ton Robert Tayango, sans ombrage. Alors, de l'autre côté, Ngoïngo vient de me signaler, alors j'ai parcouru
tout le monde dit Harry Magie. Harry Magie, à son cas, il a ben ton. Mais tout yoga, Harry Magie. Fatui, ça va? Glycémie, c'est bon? L'attention, correct? Et bon moral? Tout va bien? Ça calme, vieux, ça calme. Kinshasa, c'est pour bientôt. On arrive. Voilà, à bien vieux, petit. Petit Harry Magie. Abifié, ça a calme. Il m'a bien vieux. Oh, bah, rébellion à Bonazo et Bamoté. Rébellion à Bonazo et Bamoté. Ça, c'est ça. On appelle ça la diversion. Bon, ça la calme. Maman, il neige. Maman, il neige. Ça la concentré. Ça la concentré. Dans ma fondation, na yo, na ba Ophelina, na yo, na Kinshasa, na Kisangani. La ville est, la RDC calme. La calme. L'armée de la Talibanie, l'armée des talibans est très forte et bien organisée. Service de sécurité Vandi. Ça la calme. Ça, c'est un petit voyou là qui. Voilà. Peine de mort, elle a tient déjà dans Kingo. Elle a tient déjà dans Kingo. Donc, bon, dans la calme. Ma taliban va simbi moka. Ma taliban va simbi moka. Bon, dans la calme, ba taliba ba yombe, ba taliba ba, ya ba sakata, ba taliba ya ba tabandundu, ba taliba ya ba ito équateur, ba taliba ya ba mbandi, ba taliba ya ba katange, ba taliba ba luba, mboka isa, calme to simbi yango. Bon, dans la calme. Voilà. Oh, et puis j'ai écouté une blague là. Oh, voilà, si le président Félix Tshisekedi dit, change la constitution, ba parti aux alliés occupés par Nanga, c'est quelques localités. Aza même pas là-bas territoire, quelques localités wana. Ba ba c'est ba village pour ba tromper bino, ba manipuler bino. Alors, oh voilà, ba ça l'indépendance là-bas. Tout là. Bande de Nanga. Nous on se bat pour te récupérer à nous. C'est que vous faites de ce coin là jusqu'aujourd'hui. Il n'y a pas l'autorité d'État. De la RDC ne s'exerce pas là-bas. Tu vois, mais c'est-à-dire que bon, c'est la homo lingi na yango. Vous voulez dire quoi? Ceux qui attendent pour changer combo, oh, bon, le roi de combat Bounagana, bon, tu es au République, il y a Rwanda, au République, il y a Kagame, on vient libérer ça bientôt. Nanga, on vient libérer ça bientôt. Soyez sûr, soyez clair, soyez calme. On vient libérer ça. Voilà, c'est un peu ça. Alors, ça c'était le point, notre point, il y a parlons vrai, parlons bien. Alors, tout côté, si on a point, il y a deuxième émission à Bissau, deuxième point à Bissau, activité du président Félix Tshisekedi, na Tshopo. Tshopo à Kisangani. Bochaba, j'aime, Bandewanara, Bochaba, j'aime. S'il vous plaît, quand tu as l'émission, tu as j'aime. Dans une année, atteindre 500 j'aime. 500 j'aime, c'est facile d'atteindre. Si quand tu as l'émission, tu as j'aime. Likez. Ou bien j'aime, s'il vous plaît. Alors, on a quelques éléments, mais l'élément essentiel, comme vous le savez, c'était l'inauguration de l'aéroport de Kisangani. Quand on a YouTube, ils allaient déjà à l'aéroport Mokoya Kitoko, sauf que dans la vidéo, qui était extrait, dans la Yangote. Donc, quand on a YouTube, au monde, Yango, ils allaient bien. Voilà. Alors, le président Félix Tshisekedi aussi, na Kagala Kisangani, il a tenu une réunion de sécurité élargie. Alors, Boutia, Natia Rabino.
aussi le bénéfice d'un conseil des ministres qui aura lieu demain, qui se tiendra dans la ville de Kisangani, qui permettra à ce que les différentes problématiques sécuritaires qui concernent la sous-région soient prises en charge et trouvent des réponses idoines. Merci. Merci. Voilà, Boyoki, Jacques-Aimé Chabani, qui a fait le compte rendu, il y a réunion, voilà, la salle qui tout là. Alors, on a remis des jeeps, bah, répondre, bah, jeep Land Cruiser, pour la sécurité, na Kisangani, bah, Carboliango, entre, Chopo, Ituri, Onyon, je crois, quatre provinces, ils ont qui objet, il y a démembrement, où ils allaient maquis. Bah, Kaboli Bango, je crois que c'était une soixantaine de jeeps. Bah, Kaboli Bango, tout et tout là. Alors, et puis le président Félix Tshisekedi aussi avait à Kisangani, quand général Bahouma, le commandant suprême de FARDC, a passé les troupes en revue. Alors, il y a toi la camp Bahouma. Béton, faut moi du tournant, passe le troupe en revue dans Kambaouma, dans Kisangani. Voilà, en gros, activité chef de l'État à Sali, dans Kisangani. Voilà. Alors, pour côté Sikoyo, la rubrique Nabiso, il y a sensibilisation pour le changement de la constitution. Kenjo Mukendji est en train de faire sa part. Non, ça, la part Nangaï, na respect à testament et à Sphinx. Le Sphinx, c'est un Tshisekedi et Sagi Biso. Quand il sera au pouvoir, on doit changer la constitution. Voilà. Il y a aucun jour qui a sensibilisé déjà en amont. Il a sensibilisé déjà. Alors, réflexion autour de la Constitution. Pourquoi faut-il changer? Pourquoi devions-nous jeter la Constitution où il y a la Kabylie dans la poubelle? Déjà, dans l'émission, il y a hier, dans l'émission, il y a un élément. On a bâti sous un élément, toujours dans le cadre de la réflexion. Mais avant, ce qu'on a fait, on a fait ce que je réservais à Nabino, que Kenjo Mukendji, je mets en doute le professeur Mbata. Je doute de la conviction politique du professeur Mbata. Je doute, carrément. Donc, je crois que le professeur Mbata a lu des pèces et c'est pour qu'il soit un infiltré ou bien un espion. Je n'ai pas confiance en lui. Non, la confiance n'a été. Parce que c'est un professeur d'université, un intellectuel. Il connaît l'histoire du Congo, il connaît l'UDPS. Il a connu l'UDPS et il connaît l'UDPS. Il sait que en 2005-2006, l'UDPS avait boycotté la Constitution. L'UDPS a boycotté. Donc il connaissait et il connaît et il avait connu le point de vue de Tshien Tshisekedi sur la Constitution. Alors, écoutons un peu ce que Mbata nous dit. Qu'est-ce que Mbata nous dit? Alors, c'est un peu ça. Donc, je doute de penser Mbata, car ses propos sur la Constitution contredit le testament de Tshien Tshisekedi et l'action de l'UDPS, de boycott de l'UDPS en 2005. Il y aura la zone douté naé. Faisons très attention, penser Mbata. Toujours dit, c'est au jour d'aujourd'hui, celle que je tiens dans ma main, c'est la meilleure constitution de la République démocratique du Congo depuis son accession à l'indépendance. Le texte que je tiens dans ma main, c'est la meilleure constitution jusque-là que notre pays a connue depuis son accession à l'indépendance le 30 juin 1960. Voilà. Voilà. Alors que dans cette constitution, la loi Bakajika n'est pas là. Le sol et le sous-sol appartient à l'État congolais, n'y est pas là.
Alors dans cette constitution, il y a les articles qui vont consacrer la balkanisation de la RDC si on y prête attention. Alors comment un intellectuel avéré comme Mbata peut tenir ce genre de discours s'il ne serait pas espion ou infiltré au service des étrangers, au service du Rwanda et de Kagame? La vidéo de l'Alexis Bino Oyo, c'est une vidéo récente. Il n'y a pas plus de 2 ans à tenir des discours Oyo. Alors que le Sphinx avait déjà donné son point de vue sur la Constitution. Que Mbata Yebaki, point de vue, tient Tshisekedi à Yebiango. Écoutons. Il y aura un parlement de l'UDPS et de l'opposition actuelle qui va instituer une vraie constitution, pas ce truc ici que personne d'ailleurs ne respecte. Nous allons faire une vraie constitution, comme je viens de dire tout à l'heure, nous rapprochant de ce qui a été fait par la Conférence nationale souveraine. Voilà. Voilà. Du moment pour je salue Robert Mukendi, Abraham Mukala, Antolomia, Pessimbote, Diamond Black, Alice Nsona, Lorraine Arnold, je salue. Godem Boui, Pessimbote, Veto Comoris, Maman Jeannette Lelo, Parfait Goa, je salue. Vous avez écouté? Et c'est le Sphinx qui parle. Voilà. UDP au pouvoir, on aura la majorité, on va changer cette constitution. Un truc que personne ne respecte. Un truc de Mbata. On va chanter ce torchon ici, là, que Mbata appelle la meilleure constitution. Depuis que le Congo a eu son indépendance. Alors qu'il n'y a pas la loi Bakajik à l'intérieur. Alors que la constitution de la Kabylie a mal défini la nationalité congolaise. Le Congo n'a pas commencé en 1960. Le Congo a commencé en 1885. Alors, si on doit donner le bénéfice du doute à ces gens-là, alors prenons 1908, peut-être, lorsque le roi belge cède la RDC, le Congo, au gouvernement belge. Alors, commençons en 1908, alors. C'est pas en 1960. Voilà, donc on doit faire attention avec Mbata. Faire attention avec Mbata. Il se retrouve maintenant le président de la commission, toujours des problèmes juridiques, des dossiers juridiques à l'Assemblée nationale. On a invité Al Kamere, qui est président à l'Assemblée nationale. Lui aussi, on est dubitatif sur sa loyauté. Et il y a aussi Mbata, de la même manière. Donc on doit faire très attention. Alors, maintenant, on va réfléchir maintenant pour que le Congolais puisse comprendre qu'il y a nécessité de changer la constitution. Parce que la constitution actuelle, si on s'y prête, on y prête attention, le Congo sera balkanisé na bopete. C'est simple. Faites la combinaison des articles 214 jusqu'en 217 et ajoutez les paroles du président français Nicolas Sarkozy quand il était président de la République au Rwanda, à Kigali. Il a tenu des paroles. Mixez également les paroles du voyou Kagame, du criminel Kagame, quand il était au Bénin, lorsqu'il a parlé des soi-disant terres rwandaises qui se trouveraient au Kivu en RDC. Et à la fin, ajouter la sauce des guerres à répétition à l'Est. Les guerres qui se répètent chaque fois. AFDL, RCD, CNDP, M23-1, M23-2, M23-3. Donc, la stratégie est simple. Cette combinaison amènerait à céder les terres congolaises pour la paix. C'est écrit dans la Constitution. La Constitution Oyo, Bandoki, Bacheli Bissot, la Constitution des belligérants,
la condition des étrangers. C'est ça. Donc, on doit changer la constitution. Alors, j'aimerais que Toyo Kalisusu, Sarkozy, Toyo Sarkozy, qu'est-ce qu'il avait dit? Sarkozy, à l'Obaki, Toyo Kaye, qu'est-ce qu'il avait dit? C'était sur la vidéo à Sarkozy, là, voilà. C'est dans votre valise à vous aussi. Vous allez devoir rendre compte et de répondre. Ça met en cause la place, la question de l'avenir du Rwanda, avec lesquels la France a repris son dialogue. Pays à la démographie dynamique et à la superficie petite. Cela pose la question de la République démocratique du Congo. Pays à la superficie immense et à l'organisation étrange des richesses frontalières. Il faudra bien qu'à un moment ou un autre, il y ait un dialogue ne soit pas simplement un dialogue conjoncturel, mais un dialogue structurel. Comment, dans cette région du monde, on partage l'espace, on partage les richesses et on accepte de comprendre que la géographie a ses lois, que les pays changent rarement d'adresse et qu'il faudra apprendre à vivre les uns à côté. On doit apprendre comment dans cet espace d'Afrique, on va. Attendez, comment on va changer les. Voilà, attendez. On partage les richesses et on accepte de comprendre que la géographie a ses lois. On partage l'espace. On partage les richesses. On partage l'espace et on partage les richesses. Les richesses. On partage l'espace. L'espace, c'est la terre. C'est la terre. On partage les richesses. C'est Sarkozy qui le dit, le président français, quand il était en fonction. Et quand il était venu, après, il revient à Kinshasa pour parler de la souveraineté au Congo. En fait, c'était pour endormir le gouvernement congolais. En fait, pas le gouvernement congolais, parce que Kabila, c'était un complice. Il connaissait le complot. Mais c'était pour endormir les Congolais. Vous avez écouté. Comment on va partager l'espace et comment on va partager les richesses. Alors, lisons maintenant l'article 214. Partager les richesses, partager l'espace. C'est ça. C'est bien inscrit dans votre constitution. Article 214. Bon, et belé, tout là. Ceux qui comportent échange et adjonction de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie référendum. Par voie de référendum. Vous voyez que par voie référendum, on a une élection. Donc, on va tricher la bino. Mais ma belle Kéi. Donc, c'est la raison pour laquelle on doit supprimer cette constitution. Les gens viendront nous dire, ok, voilà, bon, l'article, voilà, c'est fini. Non. Déjà, l'article Oyo, ça démontre l'esprit. L'esprit. Et puis, l'article 217, la RDC peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de sa souveraineté en vue de promouvoir l'unité nationale. Voilà, c'est ça. Quand on recevait sur la souveraineté, la mission de la pour la guerre et Bélé, pour la unité africaine. C'est ça. Quand on ferait la combinaison de l'article 217, 214, basé sur l'article 9, 51, qui parle des minorités, c'est fini. Bon, okay. Donc, Congolais, tout changé. Tout bunda, c'est un grand combat. Un grand combat autour de ça là. Bon la mouka dans les réseaux sociaux, bon la mouka. Dans la constitution de la Kabylie, que je vous se pose la question de savoir où est la place du pouvoir coutumier, président des Sayo, je salue. Où est la place du pouvoir coutumier? Parce qu'on a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Le plagiat. On a copié, tu as copié, tu as copié,
Occidental. Il y a un peu de non. Aux alliés de constitution faite par les étrangers, pour les étrangers et en étranger. Et nous voulons une constitution faite par les Congolais au Congo, pas pour les Congolais. Une constitution faite au Congo, pour les Congolais, par les Congolais. Où est la place du pouvoir coutumier? Alors que tous les Congolais possèdent, ou bien je dirais, tous les Congolais possèdent un village, ou bien est attaché à un village ou une tribu, donc attaché à un chef coutumier à qui nous reconnaissons et nous respectons, nous reconnaissons l'autorité et nous respectons la valeur. Et dans certains milieux, même au Congo, les chefs coutumiers sont vénérés et adorés. Alors comment on ne peut pas incorporer cette dimension du pouvoir en Afrique dans la constitution? Exact. On a ignoré. Ignoré pouvoir traditionnel, ancestral. Si vous avez aucun moi, chef coutumier, je suis la force du sous-jeté. Aucun moi, pourquoi? Je ne sais pas. Comment nos villages et nos chefs coutumiers joueront-ils leur partition dans le développement s'ils ne sont pas reconnus dans une constitution? Il faut, quand on cite les pouvoirs, il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir coutumier. Et moi, je pense que il faut que le pouvoir coutumier, le pouvoir coutumier et le président de la République, c'est le chef. Il est le président de la République, il est le chef de l'État et il est le chef coutumier. Il est le chef des chefs coutumiers. Il doit être intronisé en tant que tel. Soit au commis chef de l'État, au commis aux élus président de la République, il faut aux alliés président de la République, chef de l'État et chef des chefs coutumiers. Il faut pas introniser en tant que tel. Nous sommes des Africains. C'est un peu ça, Bandirolama. C'est très important. Et que je vous préconise, à la place des assemblées provinciales, qu'il y ait le collège des chefs coutumiers par province. Donc, Bazuba chef coutumier, toki la province Mokoboye, toko zwata 10 chefs coutumiers, ou le chef de l'État, chef Nayabango, ou yabo désigné 10, ba wonde ba reconstituer assemblée provinciale, neti assemblée provinciale, pour la recontrôler le gouverneur. Pour Misala et Komara, dans ma village, Nabiso, c'est comme cela qu'on va atteindre le développement très facilement. Voilà. C'est un peu ça, proposition que Jomo Kenji, pour la constitution Oyo, on ne tient pas en compte notre pouvoir historique, notre pouvoir ancestral, voilà, et le pouvoir coutumier. Donc, il faut Tolomélango, Bandirolangaï. C'est très, très important. Alors, ministère de la Santé. Ministère de la Santé, on vient d'apprendre que, toi, Nassir, le besoin qui a déjà information en haut, Nanga la bête à moi, c'était dans mon mouquier, pour te comprendre qu'est-ce qui se passe, Nassimaba, Bilokwana, Oezali. Alors, à partir de samedi, ce samedi, c'est-à-dire hier, tous les avoirs de l'hôpital du cinquantenaire seront gérés par l'État congolais. Voilà. L'État congolais vient de reprendre son hôpital. C'est un hôpital qui a été créé, c'est un hôpital de l'État. Créé en... C'est un hôpital moral créé... J'ai là, attends. Hein. Les travaux de construction de cet hôpital débutent en 1954, à l'époque de la colonisation belge. Il a été inauguré le 22 mars en 2014. Alors, tant que Basali Misala Wana, va inaugurer ce hôpital Wana. Qu'est-ce qui s'est passé, Banirunangaï? Bazuba Indien, Bache Bango va gérer l'hôpital Wana. Mais en réalité, c'était le même système y a Zando. Le même système y a Grand Marché Zando. Bazuba Libanais, Bache Liboso. Mais en réalité, Moutabanero Kongola Mongo, Oya Zando, journalièrement, c'était qui? C'était
Kabila Joseph, le Libanais à Congolé, a eu mon atteint na Beyrouth, na Liban, mon est traversé et qui na compte à Kabila. Une partie chez Kabila, une partie chez Kagame. C'est la même chose avec l'hôpital cinquantenaire. Hôpital moro de luxe, ba Congolais va se bénéficier d'un côté, alors que les hôpitaux, il y a ba Congolais. Alors, Mongwana, ça servait toujours à qui? Versement chez Kabila. Fachi Béton a dit niet, niet. La décision est tombée, ba Botoliango ba Indien. Ba Mataba Kita ba Botoliango. Ba que nous foutons jusqu'à Tokende. C'est la raison pour laquelle je vous parle de la révolution. C'est une révolution que nous menons. Révolution. Zando pe to Botoliango. Ba Bouki Zando to Botoliango. Voilà. Alors, on vient d'apprendre aussi, toujours dans l'information en santé, la gratuité de la maternité élargie dans 5 nouvelles provinces. Kouta ba Tchopokuna, ba Tché, ba Bakisi Soussou, gratuité de la maternité. Pour ba Baki, ba Osela, palier par palier. Ba Bandagi na Kinshasa, ba Bandi na Sud Kivu, na Kasai, na Congo Central. Si Mabake na 12 provinces, Mabaki si sous 5 provinces, tout et tout là. Bravo, docteur Kamba, il est de l'UDPS. Alors ça, Moussala, Kito. Voilà. Donc je crois que on devait parler de quelques procès et la conscience de Kalamambouji, Trobe Tango, lobby. Et monsieur Sili, priez pour la RDC, priez pour l'Afrique, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour Donald Trump, priez pour le FARDC et le Wazalendo, priez pour Kenjomou, Kenjimam, monsieur de l'UDPS. Bye 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 bye. À la prochaine.